Bonjour les voyageurs, c'est Frédéric qui vous parle. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant ce moment de bien-être, j'ai un cadeau pour vous. Que diriez-vous de recevoir mes mails privés ? Ce sont des courriels écrits rien que pour vous, que vous recevrez gratuitement dans votre boîte mail 2 à 3 fois par semaine. Et dans ces mails, je vous partage des conseils en développement personnel tirés de mon expérience de thérapeute, mais aussi des histoires qui me sont arrivées lors de mon propre chemin d'éveil, des récits d'aventures chamaniques, des secrets que je ne partage que dans mes mails privés. Mes lecteurs d'ailleurs disent souvent que ces petits mails les aident à faire une place à leur spiritualité dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que lire un mail le matin ne prend que quelques minutes, mais leur renseignement vous suivra toute la journée. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran et inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir votre premier mail demain matin. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez penser de mes histoires, mais cette fois on y va, c'est parti pour votre vidéo, mettez-vous à l'aise, offrez à votre esprit le temps de ralentir et laissez-vous embarquer dans un merveilleux voyage à mes côtés. Je suis ravi aujourd'hui de vous proposer une séance de yoga nidra pour vous aider à partir dans un sommeil réparateur. Je vous ai souvent proposé des séances d'hypnose pour vous accompagner dans le sommeil et je voulais aujourd'hui vous proposer une autre pratique qui est également très efficace pour vous aider à vous endormir. Le yoga nidra est une pratique issue de très anciennes traditions indiennes qui permet d'atteindre un état de transe naturel. Tout comme avec une séance d'hypnose, vous serez dans un état modifié de conscience pendant cette séance. Vous pouvez utiliser cette séance pour vous accompagner dans l'endormissement ou bien l'utiliser non pas pour vous endormir tout de suite après, mais pour conditionner votre inconscient vers un sommeil de meilleure qualité et vers un endormissement plus aisé les fois prochaines lorsque vous irez vous coucher. Pour démarrer au mieux cette séance, je vous laisse un moment de préparation. La préparation est plus importante pour une séance de yoga nidra que pour une séance d'hypnose. Cette séance se pratique allongée. Satyananda disait concernant la posture en yoga nidra, « La posture pour pratiquer le yoga nidra devrait être tellement confortable qu'elle nous permet d'oublier l'existence du corps physique pour être ainsi perçue comme une sorte d'armure de l'esprit. » Effectivement, le corps doit être en mesure de rentrer dans un état qui ne nécessitera ensuite absolument aucun mouvement. Prenez donc tout le temps dont vous avez besoin pour vous allonger confortablement, avec de quoi vous couvrir afin que vous n'ayez pas froid. Prenez éventuellement des coussins ou tout autre objet qui pourrait vous accompagner pendant cette séance. Et si vous avez besoin de mettre pause sur cette séance afin de pouvoir vous installer au mieux, prenez ce temps dont vous avez besoin et rejoignez-moi juste après. Maintenant que vous êtes confortablement installé pour la suite de cette séance, permettez à votre corps de se détendre. Prenez un moment pour rentrer pleinement en contact avec votre corps physique afin de permettre à votre corps d'être bien ancré, bien présent pendant cette séance. Et pour cela, je vous propose de vous connecter à vos sens. Démarrez en portant toute votre attention sur ce que vous pouvez entendre. Quels sont les sons proches que vous pouvez entendre?
quels sont les sons lointains que vous pouvez entendre. Laissez-vous transporter par tous ces bruits autour de vous. Et s'il n'y a pas de bruit autour de vous, laissez-vous transformer par la beauté des notes de musique ou du silence qui entoure ma voix. Portez toute votre attention sur ce sens de l'ouïe et sur cette merveilleuse capacité à entendre de vos oreilles. Prenez maintenant un moment pour vous connecter à la température de la pièce. Sentez-vous la différence de température entre la pièce et votre corps? Sentez-vous la chaleur qui se dégage de votre corps physique? Concentrez-vous sur le sens du toucher. Peut-être pouvez-vous sentir le contact de vos vêtements sur votre peau ou le contact de la couverture sur votre corps. Le poids de celle-ci. Votre corps peut relâcher toutes les tensions. D'ailleurs, vous pouvez inspirer profondément, puis expirer profondément par la bouche, en faisant même un peu de bruit pour expulser les dernières tensions qui pourraient être présentes dans votre corps. Inspirez profondément et expirez. Profondément. Et en faisant cela, votre corps et votre esprit sont déjà bien plus prêts à vivre l'expérience. D'ailleurs, vous allez prendre un moment pour poser votre intention avec cette séance. Qu'est-ce que vous souhaitez qui viennent se manifester pour vous pendant cette séance. Par exemple, je m'endors vite, ou alors je dors d'un sommeil réparateur, ou bien je vais bien dormir toute la nuit d'une traite. Dans tous les cas, choisissez une formulation positive et affirmative. Cette phrase va vous guider tout au long de cette pratique. C'est un peu comme une suggestion pour l'inconscient qui va rester présent à l'intérieur de vous. Et maintenant que vous avez posé cette intention, je vous invite à rentrer en contact avec votre corps afin de lui apporter toute la légèreté dont il a besoin. Cette légèreté qui va pouvoir vous guider vers ce sommeil profond. Sentez à quel point votre main droite peut être légère.
les doigts de votre main droite sont légers. La paume de la main. Votre avant-bras léger. Le coude. Le haut de votre bras. Tout votre bras droit est léger comme aérien. Votre épaule droite est légère. Tout le côté droit de votre buste. Tout le côté droit de votre dos. Le bassin à droite. Léger. Votre cuisse droite est légère. Le genou, mollet, cheville, talon. Tout le pied droit léger, tous les orteils. Toute votre jambe droite est pleine de légèreté. Votre cou est également totalement léger. Votre tête est légère et semble flotter sur le support sur lequel elle est posée. Puis sentez à quel point votre main gauche peut être légère. Les doigts de votre main gauche, légers. La paume de la main. Votre avant-bras. Le coude, le haut de votre bras, tout votre bras gauche est léger, comme aérien. Votre épaule gauche est légère. Tout le côté gauche de votre buste. Le côté gauche de votre dos, lui aussi est léger. Le bassin à gauche. Votre cuisse gauche est légère. Genou. Mollet. Cheville. Talon.
l'ensemble de votre pied gauche, tous les orteils, légers. L'ensemble de votre jambe gauche est pleine de légèreté. Et plus votre corps se sent léger, et plus votre sommeil est profond, lourd et réparateur. Votre corps se sent léger et cela apporte de la légèreté dans votre vie. Portez à présent votre attention sur votre souffle. Je vous invite à respirer de façon consciente pendant les prochains cycles de respiration. La respiration est un précieux allié pour apaiser le corps, pour alléger le corps et pour dormir profondément. Et pour cela, vous allez compter vos inspirations et vos expirations de 10 à 0. Je vais vous laisser le temps de compter dans votre tête, sans vous guider, afin que vous puissiez respecter le rythme de votre propre respiration.
vous allez pouvoir, quand je vais vous l'indiquer, commencer à compter tout en gardant une respiration la plus naturelle possible. Vous inspirez et vous expirez, vous comptez 10. Puis vous inspirez et vous expirez, vous comptez 9, et ainsi de suite jusqu'à 0. Je vous laisse maintenant le temps nécessaire pour vous concentrer sur votre souffle, sur cette source de vie qui circule en vous, et vous pouvez démarrer le décompte. Où que vous en soyez dans votre compte, vous pouvez arrêter et reprendre votre respiration habituelle. Je vous invite maintenant à penser à un objet qui pour vous symbolise la légèreté. Quel est l'objet qui, selon vous, met le plus en avant cette notion de légèreté? Vous pouvez visualiser cet objet le plus précisément possible, ou bien juste penser à ce mot, ou bien voir le mot « légèreté » écrit devant vous. Prenez bien conscience de cet objet. Et je vous invite maintenant à revenir sur l'intention que vous aviez formulée tout à l'heure, au début de cette séance, et d'y repenser un instant.
Et c'est sur cette belle intention que vous allez pouvoir revenir tranquillement dans un état de conscience plus éveillé. Et vous pouvez choisir, bien sûr, de rester plongé dans ce sommeil, de profiter d'une bonne nuit apaisante et réparatrice. Et si vous avez choisi de vous éveiller, vous allez pouvoir reprendre conscience de votre corps, de sa présence. Je vous invite à réaliser quelques respirations profondes pour vous aider justement à reprendre conscience de ce corps. Et cette séance va pouvoir vous aider à mieux dormir la nuit prochaine et les prochaines nuits. Et vous allez pouvoir la réécouter si vous sentez que celle-ci a eu des effets positifs pour vous. Je vous remercie pour votre attention, votre confiance. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.